Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, Diamond Painting et Point de Croix. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous fais finalement le tutoriel demandé sur le point de nœud, ou en anglais French Knot. Et en bonus, je vais vous faire un tutoriel aussi sur le nœud colonial, qui peut très bien remplacer le point nœud, OK? Il donne un effet pratiquement similaire. Il y en a qui préfèrent faire le point colonial au point nœud. C'est à vous de décider. Alors là, aujourd'hui, ça va s'appeler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le point de nœud sans jamais oser le demander. Alors, première des choses, je vais essayer de rien oublier. Le point nœud, c'est utilisé. Pourquoi? Moi, j'ai, avec les années d'expérience que j'ai, je l'ai vu utiliser surtout en quatre occasions. Des étoiles, des flocons de neige, comme dans ce patron-ci, vous voyez ici, j'ai des points nœuds, OK? Attendez, je vais essayer de vous mettre plus proche. OK. Alors ici, toutes les choses ici, c'est des points de nœud. En blanc, c'est des flocons de neige. C'est utilisé aussi, puis je pense que j'en ai un exemple dans le patron. Attendez, je peux le trouver ici. Attendez, où est-ce qu'il est? Ici. Vous voyez ici? Il est utilisé pour un œil du chien qui court. Alors, un œil. Alors, ça, c'est une troisième raison pour l'utiliser. Et aussi, il va être utilisé pour des fleurs. Des fleurs qui vont être vues de loin. Alors, un bouquet de fleurs de très loin dans un paysage, là, bien, ils vont mettre des points nœuds. Alors, la première question, c'est pourquoi on l'utilise? La deuxième, dans quel ordre est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on fait le point nœud? OK? Non. Là, c'est drôle parce que si vous regardez sur ce canevas-là, je vais vous montrer un petit peu plus près. Attendez, plus près. OK. Vous voyez ici, ils ont mis des choses ici pour le point nœud, mais c'est tout à fait inutile parce que c'est un canevas qui est complètement imprimé, qui est complètement brodé. Fait que ça, quand je vais faire mon point croix, je ne le verrai plus, OK? Fait que je suis obligée de me fier au patron. Alors, l'ordre dans lequel on fait les points. On commence par faire le point de croix ou le demi-point de croix quand on en a. On fait le point arrière par la suite. Le point de nœud, c'est toujours la cerise sur le sundae, OK? Autrement dit, vous faites ça en dernier. Ça va. Parce que là, ce que je veux pas, là, regardez ça, c'est un flocon de neige. OK? Autrement dit, ben, si vous regardez ici, j'ai du point arrière pour faire les cadres des fenêtres, tout ça. Ben, écoutez, je veux pas que mon point arrière aille écraser un point de nœud que j'ai déjà fait. C'est un flocon de neige. Il devrait être par en avant. Ça fait que le point de nœud, c'est toujours en dernier qu'on fait ça. On fait le point de croix, le point arrière, le point de nœud en dernier. OK? Là, je vais faire des points. Je n'ai pas terminé cette pièce-là, loin de là. Mais je vais faire des points de nœud pour vous donner un exemple. Dans une section où est-ce que c'est tout brodé, j'ai tout fait mon point de croix, puis je n'ai pas de point arrière. Autrement dit, j'en ai ici du point de croix de fait, mais je ne ferai pas les points de nœud tout de suite parce que j'ai du point arrière rajouté avant. Puis, il n'est pas fait. Fait que là, ben, dans ce carré-là, de 3 par 30 par 30, je peux très bien faire mon point de nœud parce que tout mon point de croix est fait. Je n'ai pas de point arrière, fait que je peux faire mon point de nœud. Le point de nœud, il peut se faire par-dessus du point de croix, comme dans cet exemple-ci, ou directement sur le canevas. Puis, des fois, ben, regardez, comme là, je donne un exemple ici. C'était cette pièce-là. Je vous la montre. OK.
Elle n'est pas entièrement brodée. Alors, voyez-vous, j'ai du point de nœud à des places que c'est pas brodé, puis j'ai du point de nœud à des places que j'ai brodé. Fait que ça peut se faire à une place ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Vous allez dire blanc sur blanc, ben regardez, des flocons de neige qui tombent au-dessus de la neige, c'est pas très très visible. Ça va être visible quand même un peu, vous allez voir une petite texture, mais c'est sûr que ça sera pas aussi visible que quand ça va être sur du bleu ou du... Mais c'est comme ça, c'est sur un flocon de neige qui tombe puis sur un fond blanc de neige, ben ça paraît pas beaucoup, puis c'est normal. Ça fait comme... Alors, ça se fait autant directement sur le canevas qu'au-dessus du point de croix. Puis vous allez voir aussi, si je vous rapproche, le point de nœud, il est fait à l'intersection de quatre points. Autrement dit, dans un trou. OK? Vous voyez ici. Fait que c'est toujours fait dans un trou. Autre question. Combien de brins? Alors, la question fondamentale. Alors, certains vont dire que, bon, sur du 11 cornes, c'est pas compliqué, c'est 2 brins. Sur du 14 cornes, vous allez voir des compagnies qui vont dire d'utiliser un brin. Bon. Là, si vous voulez mon opinion sur la chose, ben, en tout cas, je vais vous la donner pareil. Moi, j'utilise toujours 2 brins. Je trouve qu'un brin, ça paraît pratiquement pas. OK? Fait que moi, je fais toujours avec 2 brins. La seule raison pour laquelle j'utiliserais un brin, c'est par exemple si je fais l'œil d'un personnage, d'un animal, puis qu'avec 2 brins, je trouve que ça y mange la face. Autrement dit, que l'œil est trop gros comparé à sa figure, à sa tête. Alors, fait que ça serait la seule raison pour laquelle j'utiliserais un brin. Sinon, je vais toujours utiliser 2 brins, peu importe le compte. Ce qui m'amène à mon autre sujet. Si vous n'êtes pas sûr du nombre de brins, je vous recommande de vous essayer avant de le faire sur du point de croix, sur quelque chose qui est à la place que vous voulez le faire, parce qu'un point de nœud, c'est très difficile à défaire. Ceci dit, ça, c'est toutes des questions. On voit, moi, je regarde beaucoup les vidéos, puis ils vont dire, ils vont montrer le point, mais ils ne répondraient pas à toutes ces questions-là qui sont comme avant de commencer à faire le point. Là. Alors, fait que là, j'ai révisé, je vous ai dit le nombre de brins, je vous ai dit comment c'est utilisé, je vous ai dit dans quelle ordre on fait les points. Alors, c'est fait au-dessus du point de croix ou directement sur le canevas. Puis, fait que sur ce, je vais vous faire des points de nœud dans cette section-ci. Ici même, je pourrais faire, bon, regardez ça ici aussi, je peux le faire, ici aussi, je peux le faire, il est brodé. Fait que je vais en faire quelques-uns. Alors, je vais aller chercher mon aiguille. Puis là, je vais vous montrer comment j'attache mon fil, même si c'est pour du point de nœud. Alors, je vais commencer par aller chercher un brin. Je fais toujours, commence par le départ en boucle. OK. Alors, je le plie en deux. Là, c'est d'essayer de m'organiser pour que vous voyez bien comme il faut. Alors, j'enfile mon aiguille. J'ai plié mon fil en deux. OK. Et là, il faut que je regarde sur mon patron parce que là, c'est clair que je ne vois plus sur mon point de croix. Je ne vois plus la place pour faire. Alors, ici, je regarde. Il est fait... là, je n'ai pas le choix de compter. OK. Il est fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4. Fait que là, il faut que j'aille chercher ma place sur mon point de croix. Alors là, je vais essayer. C'est pas évident. Alors là, j'y vais. Alors, je dis 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je rentre mon aiguille ici. Alors là, c'est juste pour le commencer.
Oups, j'enlève ça ici. Ça. OK, j'essaie vraiment de vous installer, que vous voyez comme il faut. Alors, je rentre mon fil ici. Et là, ce que je vais sortir, je vais sortir mon aiguille. Bon, là, je peux le rentrer plus. Puis je me laisse une petite boucle ici. Je commence mon... Puis, attendez, je vais vous mettre un petit peu plus près. Pas évident. OK. Alors, j'essaie de vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon aiguille, pas dans le trou à gauche, mais dans le canevas entre les deux trous. OK? Autrement dit, j'ai fait à gauche du point, entre les deux trous, OK. Là, je vais aller chercher ma boucle, puis je vais rentrer dans le même trou dont je viens de sortir. Attendez. Comme ça. Alors, vous voyez que c'est presque pas visible, mais j'ai attaché mon point. Là, je sors dans le trou entre les quatre points. Là, à place où je veux mon point de nœud. Alors, le point de nœud. Regardez, je tiens mon fil comme ça ici. OK? Et là, ce que je vais faire, c'est que je m'en viens par en dessous. Puis là, je vais tourner mon fil deux fois autour de mon aiguille. Vous voyez, je l'ai tenu. OK? Puis là, je tiens mon fil serré. Là, je vais rentrer l'aiguille au-dessus un petit peu. Faut pas vous rentrer dans le même trou parce que votre point, il va... Puis là, votre nœud, il va passer au travers, OK? Là, je suis rentrée un petit peu au-dessus, pas dans le trou par-dessus, là, juste en dessous le canevas, OK? Et là, ce que je fais, c'est que je tiens mon chose ici. Oups! Le plus longtemps que je peux. Alors, ça, c'est mon premier point de nœud. Vous voyez qu'il n'est pas très gros. OK? Alors là, je regarde. Où est-ce qu'il est mon prochain point de nœud? Alors, j'en ai un ici. Fait que là, je regarde. OK, c'est ici. Fait que là, bien, je vais sortir. À la place que je veux avoir mon point. OK. Là, si je me dis, ouais, mais je trouve que ça ne fait pas assez gros. Il n'y a rien qui vous empêche de dire, OK, je m'en vais par en dessous. Je tourne une fois, deux fois. Je peux tourner trois fois aussi. C'est à votre goût. Alors, je peux dire, OK, je trouve que deux fois, c'est pas assez. Alors, je rentre juste au-dessus. Je tiens mon fil. Je rentre mon aiguille. Là, vous tirez sur votre fil, le plus, comme ça. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus proche encore. Oups! Comme ça. OK? Alors, j'ai fait deux points de nœud. Je vais en faire un troisième. Mon troisième, il serait où? OK, j'en ai un. Oups, ici. Alors ici, il est sur, je vais regarder, 1, 2, 3, 4 dans le vert ici. OK, fait que je m'en viens ici. OK, alors là, vous êtes
montrer. Alors, j'ai sorti à la bonne place. Alors, je vais dire, je trouve que 3, ça fait mieux. 1, 2, 3. Je tiens mon fil. Je m'envoie un petit peu au-dessus. Un petit peu, pas beaucoup. Je tiens. Oups. Regardez là. Mon nœud, il est déjà collé, là. Je tiens mon aiguille, mon fil. Je tire mon aiguille. Je tiens toujours mon fil. Maximum que je peux. Hop! Un troisième point de nœud est fait. Alors, vous allez continuer comme ça. Fait que si vous voulez revoir, vous avez juste besoin de revenir. Là, je vais vous montrer le point colonial. OK? Point colonial, ça fait presque la même chose. OK? Il y en a qui préfèrent faire cela au point de nœud. Alors, je vais aller voir la prochaine place que je devrais avoir. Puis, je vais vous dire la différence, elle est très minime. Si quelqu'un peut voir la différence, ça fait que ça serait... Je cherche à la place où est-ce que c'est supposé d'être. Oups! Il faut que je sorte du bonne place. Ici. OK. Comme ça. OK. Alors, je sorti à la place que je veux mon point. Alors là, ce que vous allez faire un C inversé. Voyez? OK. Voyez, j'ai fait un C inversé avec mon fil. Vous allez prendre, mettre votre aiguille ici en dessous. Attendez, comme ça. Je vais essayer. Ici, votre C en dessous. Puis ensuite, vous allez mettre le fil par-dessus, comme ça. Puis là, vous allez tirer. Comme ça. Vous allez tirer, tirer. Vous allez rentrer aussi juste un petit peu au-dessus. OK. Et c'est le même principe. Vous tenez votre fil. Oups, il est accroché dans le coin. Comme ça. Comme ça. OK. Je ne sais pas si vous avez tout vu. Je pense que je vous ai déplacé un petit peu. Je vais essayer d'en faire un autre. Je ne vais pas rien qu'essayer. Je vais en faire un autre. Bon, il y a une petite différence. Si je vous mets un petit peu plus près encore. Attendez. Oups. OK. Bon, si vous regardez comme il faut, il y a une petite différence. OK. Honnêtement, la différence est pas majeure. Attendez. OK. Fait que là, ben, je vais vous reculer un peu parce que vous êtes un petit peu très. Si quelqu'un me dit, ah, mais t'as pas fait du point nu, t'as fait du point colonial, m'a dit, regarde là. On s'entend-tu des fois qu'on neige? Ça fait que, bon. Alors, là, j'en ai un autre, si je regarde mon patron. J'en ai un ici. Fait que je vais aller à la place que je veux mon point de nœud. Ici. Je sors. Et là, je vais faire un nœud colonial. Je disais que là, je vous montrais. Alors, je vous remontre. Alors, je tourne comme ça, en C, inversé. Je passe mon aiguille en dessous du fil ici. Ensuite, je repasse mon fil par-dessus l'aiguille. Je tire. OK. Je rentre mon chose juste au-dessus. Je tire comme il faut. Et là, je tire mon aiguille. Comme ça. Moi, je ne suis pas très, très satisfaite du résultat. Là. Mais c'est pas grave.
OK, on va aller voir un autre ici. J'ai pas tenu mon fil comme il faut, fait que le résultat est pas parfait. OK. Bon. Alors, je fais un C inversé. Je m'en vais en dessous. Au-dessus, je tire. OK. Je rentre mon aiguille juste au-dessus de où est-ce que je suis sortie. Je tiens mon fil comme il faut. Comme ça. OK. Alors, moi, dans ce cas-ci, je trouve que mon point colonial, il n'est pas assez gros. Ah, c'est ça mon problème. Regardez ce que je vais faire. Je vais l'augmenter un petit peu. Je vais aller. Mon prochain, il s'en vient. Ici. Voyez-vous? J'essaie de voir si vous voyez comme ça. Voyez-vous l'aiguille? Ici. Bon, alors vous voyez les. Oups! Attendez, vous êtes trop proche. OK. Excusez. Alors, je tire. Je fais un C inversé. Je trouvais que mon point colonial était trop petit. Je m'en vais en dessous. Je m'en vais au-dessus. Puis je vais aller au-dessus une deuxième fois. Je tire. Je m'en vais juste un petit peu. Je me rentre mon aiguille juste un petit peu au-dessus. Ah, ben là, je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors là, je vous ai fait trois points coloniaux, puis trois points de nœuds, OK, ce qu'ils appellent des French knots, OK? Alors, je vais récapituler une dernière fois. Je vais vous en faire deux, un de chaque encore, puis ensuite, ça va être ça, là. Alors, le prochain, attendez, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, je vais aller ici. Le prochain s'en vient. Ici. On voit pas comme il faut. Attendez. Hop. Est-ce qu'on voit mieux de même? L'aiguille est ici. Est-ce qu'on voit mieux? Pas sûr. On va essayer. Excusez. J'ai bien de la misère avec mon support. OK. Bon. OK. Alors, je vais ici. Alors là, je vais faire un point de nœud. OK. Alors, je mets le fil au-dessus. Je mets l'aiguille en dessous. Je tourne. Là, je vais tourner trois fois. Moi, je dis, je trouve que ça fait mieux trois fois. OK. Je rentre juste un petit peu au-dessus de où est-ce que je suis sortie. Je tiens mon fil. Alors, ça, c'est mon point de nœud. Et je vais vous donner un dernier exemple de point colonial qui va aller. Un, deux, il faut que je trouve où est-ce qu'il va. OK. Oups.
je viens de désenfiler mon aiguille. Pas grave. Alors, lui, je vais le faire en point colonial. Alors, je fais un. C inversé. Un C inversé. OK. Je passe en dessous. Et là, bien, je vais tourner une fois, deux fois dans mon cas. Je vais rentrer juste au-dessus. OK. Et là, je vais, oups, sortir en aiguille, comme ça. Puis, voyez-vous quelle grosseur que ça fait avec deux brins? Avec un brin, là, vous ne voyez pratiquement pas. Puis là, je trouve même qu'il est trop petit encore. Ça fait que ça, c'était le tutoriel de point de nœud avec un bonus pour le point colonial, OK? Vous allez voir qu'ils ne sont pas tous identiques, tout ça, mais regardez, c'est des flocons de neige. On s'entend-tu que des flocons de neige, c'est pas nécessairement la même grandeur. Il n'y a pas un flocon de neige qui est identique à l'autre. De la même façon que des étoiles, il n'y a pas une étoile qui est identique à l'autre. Qu'une fleur, il n'y a pas une fleur qui est identique à l'autre. La seule chose que vous allez devoir être particulièrement vigilante, c'est si vous devez faire des yeux d'animaux pour avoir la bonne grosseur comparativement au visage. Alors, si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à le faire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le temps que vous le fassiez. Et je vous dis à la prochaine.